J'ai pensé assurer ma moto, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens que je n'ai pas pu assurer. Il n'y a pas les moyens, on sort, on ne travaille pas, c'est pourquoi. C'est la réponse de ces motocyclistes à notre question de savoir s'ils ont une assurance. Elle est générale chez la plupart des conducteurs de moto. Et pourtant, il est vivement conseillé à ces motocyclistes de se souscrire à une assurance en raison de leur vulnérabilité au cas d'accident de circulation. Quand vous voyez le taux d'accident des véhicules à moteur, celui des motos est le plus élevé. La plupart du temps, c'est ces motos-là qui sont le plus exposées. L'assurance qui a pour rôle de pouvoir assumer les responsabilités à la place de celui-là qui a causé les dommages pourra donc venir aider le conducteur qui, généralement, lorsque le lieu sinistre survient, n'a pas toujours les moyens qu'il faut pour faire face aux sinistres causés. Il existe plusieurs types d'assurances auxquelles les conducteurs de moto peuvent demander des services de couverture. Il y a une assurance obligatoire imposée par l'État, donc l'assurance responsabilité civile, qui permet donc de couvrir les dégâts intervenus sur les tiers. En dehors de cette assurance obligatoire, il y a également des garanties contre le vol et les incendies. Également, quand la moto est impliquée dans une collision, donc l'assureur va intervenir pour réparer non seulement le véhicule endommagé ou la moto endommagée, mais intervenir pour contribuer aux soins des victimes. Il y a également l'assurance tout risque qui permet de pouvoir prendre en compte tous les risques qui peuvent survenir dans le déplacement du conducteur de taxi-moto ou de la moto personnelle. Vous avez également l'assurance dépannage, donc qui permet, lorsque vous êtes en déplacement et que votre moto tombe en panne, que l'assureur puisse assurer votre déplacement. Le plus souvent, les motocyclistes, tout comme beaucoup d'autres citoyens, sont réticents face aux services d'assurance. Ce que nous avons rencontré évoque ici certaines raisons. Quand tu es assuré et qu'il y a un problème qui arrive par après, les gens chez qui tu as fait ton assurance n'arrivent pas à te satisfaire comme il le faut. L'assurance, c'est pour te protéger au cas où tu as un problème. Mais voilà que quand ça arrive, tu n'as pas satisfaction. Donc il vaut mieux rouler et se donner à Dieu. Sinon, moi, je vois que c'est très important. Mais le problème est quoi? En cas de caisse, il y a, l'assurance n'intervient pas vite. Des fois, même les gens sont obligés d'aller prendre les avocats pour pouvoir les aider. À ces inquiétudes, les acteurs du domaine de l'assurance apportent des réponses et rassurent. D'une part, ils ont raison, mais la couverture est conditionnée par certaines règles. À supposer que vous avez une assurance et que vous conduisez, vous faites un accident alors que vous étiez en état d'ivresse, donc l'assurance ne peut pas vous couvrir. Lorsque vous souscrivez à une assurance, il y a généralement la zone géographique qui est délimitée. Donc lorsque vous faites l'accident en dehors de cette zone, donc l'assureur peut également refuser de prendre l'accident en charge. Parfois, c'est à tort qu'on pense que, étant donné qu'on n'est pas sûr que le risque va survenir, on déroge donc au principe en mettant le tort sur les compagnies d'assurance. Mais une fois que vous êtes victime, vous êtes obligé de faire prendre en charge la victime, vous allez vous rendre compte que l'assurance aurait été mieux pour vous. Ce n'est pas parce que vous êtes couvert, vous allez souscrire à une assurance, que vous allez déroger aux règles du code de la route qui impose qu'une fois que vous achetez une moto, avant de prendre une moto, il faut avoir un permis de conduire. Il est du devoir également des compagnies d'assurance de faire l'effort pour de sensibiliser les assurés sur les conditions qu'il faut réunir avant de bénéficier de l'assurance. Les gens évoquent le problème du coût de l'assurance. Si vous vous renseignez, il y a plusieurs services qui sont offerts à des prix vraiment concurrentiels. S'assurer ou assurer son engin, c'est réduire les dépenses éventuelles en cas de sinistre ou d'autres problèmes relevant des services d'assurance. Mais faut-il aussi savoir choisir son type d'assurance? ...336 morts, 5055 blessés sur les 3689 cas d'accidents enregistrés, c'est le bilan du deuxième semestre de l'année 2022.
bilan dressé le 21 février dernier par les ministres en charge des transports. Ces chiffres inquiétants prouvent à suffisance que les routes continuent de faire des victimes, et ce, en dépit de multiples campagnes de sensibilisation. Selon les responsables de la division de la sécurité routière, DSR section Lomé, les causes de ces accidents sont nombreuses. Je tiens à préciser que ces morts, c'est ceux qui sont morts sur le champ. Le chiffre-là peut être vu considérablement à la hausse. Ça veut dire qu'au cours de leur hospitalisation, certains peuvent succomber et de suite de leurs blessures. C'est les facteurs humains, c'est l'homme qui est au centre, ses défauts de maîtrise et puis la vitesse. Les motocyclistes couvrent 72%. Toutes ces motos sont mises en fumée parce que les usagers, les motocyclistes, soit ils ont grillé le feu ou bien ils ont refusé de porter le casque. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le casque, ils prennent le casque, ils entrepose ça sur le réservoir ou bien dans leur jambe. Et les surcharges, les gens vont se retrouver 4 ou bien 5 sur une petite moto comme celle-ci. Ces états de comportement sont source d'accidents. Face à cette légère hausse des cas d'accidents au Togo en 2022 et aux multiples conséquences fâcheuses, les usagers de la route sont invités à adopter de bons comportements et au respect scrupuleux du code de la route. Les règles de circulation sont prescrites par le code. Et qui parle de code, parle de formation. J'invite tous nos concitoyens, que ce soit les motocyclistes ou les usagers à voiture, de se faire former. Ils vont acquérir les techniques de pilotage, les règles de circulation et le code de la route. Ils vont s'en approprier pour pouvoir éviter les accidents sur nos voies. La DSR, depuis sa création, s'est lancée dans la sensibilisation, dans les églises, dans les mosquées, au marché, même dans les écoles. Je tiens à rappeler à nos concitoyens que nous allons passer à la phase de sanction. Nous allons sanctionner très 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 durement, mais on va toujours continuer les sensibilisations. Pour cette année, je vous signale d'ailleurs qu'il y a les radars qui seront opérationnels. Nous allons accentuer aussi les tests d'alcool. Au regard de ces chiffres qui interpellent, la prudence et la vigilance doivent toujours être de mise. Je me brosse la machinée. Le soir, si je veux me coucher aussi, je brosse les dents. Parfois, les machinées, si je brosse les dents aussi, je mange aussi le cuir dents sur ça. Par jour, bon, je me brosse à deux temps. Quand je réveille, je brosse les dents. Je mange. Quand je vais dormir, je brosse les dents. Quand je me réveille le matin, le soir, quand je finis de manger, je brosse les dents. La pâte et la brosse, c'est fini avec l'eau. C'est fini. C'est de cette manière qu'ils entretiennent et prennent soin de leurs dents et de leurs gencives. Les professionnels de santé s'accordent en effet pour dire qu'une bonne hygiène bucco-dentaire permet d'éviter l'apparition ou l'aggravation de plusieurs pathologies. Alors, quels sont les bons gestes pour un brossage réussi des dents? C'est comme ça qu'il faut se brosser les dents. Et ça permet de nettoyer en même temps les espaces entre les dents qui sont là. Donc, il faut nettoyer ces faces-là. Il y en a une, vous nettoyez les faces externes, vous nettoyez les faces internes, toujours en faisant du rouge vers le blanc. Et maintenant, les faces qui seront mangées, les faces triturantes, on les nettoie dans ce sens. On finit le bas et on passe en haut. On fait la même chose, du rouge vers le blanc, du rouge vers le blanc, et puis on brosse les faces triturantes. Donc un brossage doit durer entre 2 et 3 minutes. Il faut plutôt aller vers les brosses à dents qui ont des petites têtes. Ça permet d'aller au fond de la bouche. Il ne faut pas qu'elles soient dures, il faut qu'elles soient, de préférence, le plus conseillé, qu'elles soient médium. Se brosser les dents, c'est 2 à 3 fois par jour. Parce que chaque fois que nous mangeons, il y a des aliments qui restent dans la bouche. Le plus important, c'est le matin et surtout le soir. Il faut s'assurer que la pâte est de bonne qualité. On ne va pas faire de publicité pour une marque, mais il faut s'assurer qu'il y ait du fluor dans la pâte. Parce que le fluor renforce l'émail.
Malgré tout ça, il y a toujours des fines couches d'aliments qui se mettent au niveau des dents, parce qu'il y a des endroits qu'on n'arrive pas à nettoyer comme il se doit. C'est pour ça qu'il est conseillé, une fois tous les 6 mois, d'aller voir le dentiste pour un nettoyage systématique, pour ce qu'on appelle un détartrage, parce qu'une fois, il y a toujours du tartre. Une mauvaise hygiène dentaire peut entraîner des conséquences graves, notamment des infections. Et l'une des infections les plus fréquentes chez l'être humain reste la carie dentaire. Elle affecte la majorité de la population sans distinction d'âge ni de sexe. Dans notre domaine, essentiellement, c'est la carie dentaire qui constitue la pathologie la plus fréquente qu'on rencontre chez tout le monde, et en particulier chez les sujets jeunes. Et ça fait souvent la plupart du temps l'objet des visites dans les cabinets dentaires. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS en novembre 2022, les infections bucco-dentaires les plus courantes sont les caries dentaires. Et une carie dentaire non traitée représente le problème de santé le plus répandu dans le monde, puisqu'elle concerne environ 2,5 milliards de personnes. La pathologie est d'origine bactérienne. La cause essentielle de la carie dentaire, c'est le sucre en bouche. Nous avons des bactéries. Ces bactéries sécrètent des toxines qui transforment ce sucre en acide. Et c'est cet acide qui attaque la dent, en particulier l'émail de la dent. Après la transformation du sucre en acide, avec l'association des composants de la salive, en particulier les protéines salivaires, ça donne la formation de la plaque dentaire. Si rien n'est fait, nous avons encore d'autres composants de la salive, en l'occurrence le calcium qui sont en bouche, qui, avec cette plaque dentaire qui est installée, se transforme en, cette fois-ci en tartre. Ce n'est plus un dépôt mou, mais ça devient dur, collé aux dents. Et là, ça, c'est des milliers de microbes. Si rien n'est fait, bonjour les dégâts, c'est là où la carie apparaît. Des douleurs dentaires, des dents très sensibles au chaud, au froid, au sucre ou encore à l'acide sont quelques symptômes cliniques de la carie dentaire. Face à ces symptômes, il est conseillé de se faire consulter chez des spécialistes. J'ai mal à la dent parfois. J'ai aussi le trou. On voit certains pattes, on dit que ça fait les dents. Donc c'est ça que je paye à la pharmacie pour utiliser. Malheureusement, les gens arrivent souvent quand il y a rage de dents, et alors qu'on pouvait intervenir bien avant. Dès le départ, il faut, dès qu'on voit des taches dans la bouche, des trous, des points noirs sur les dents, c'est des signes en fait, c'est annonciateur. Si vous voulez éviter d'enlever une dent, il faut aller très tôt soigner la dent pour ne pas arriver à la phase où il faut enlever. Parce qu'il y a une phase, quand on arrive à cette phase d'infection grave, on ne peut plus rien faire, il faut enlever la dent. La plupart des infections bucco-dentaires sont en grande partie évitables et peuvent être traitées à un stade précoce. Une carie dentaire non traitée peut avoir de graves conséquences sur la santé en général. Il est donc primordial de prendre rendez-vous chez les spécialistes dès les premiers signes. Les portables et les ordinateurs rendent de multiples services aux utilisateurs. Cependant, rester longtemps accroché à l'écran n'est pas sans conséquence. Selon les spécialistes, il y a d'énormes risques et des dangers auxquels les utilisateurs s'exposent à long terme. Généralement, les écrans myopisent les yeux. C'est-à-dire que la vision de près, elle est bien, mais la vision de loin ou d'un peu plus loin, elle est plus compliquée. Donc, dans tous les cas, porter une bonne correction optique. Tu vas voir un enfant de 8 ans, de 7 ans, comme ça, porter des verres médicaux. Et souvent, on les achète, les jeux vidéo, là, ils restent sur l'écran. Il faut passer des heures comme ça, cela agit sur leurs yeux. Pourtant, nous, les parents, nous pensons que nous sommes en train de les chercher du bien, mais pourtant, c'est la maladie qu'on est en train de l'acheter à long terme. Pour éviter toute surprise désagréable, les ophtalmologistes recommandent d'adopter des mesures de protection en cas de surexposition. Les écrans aujourd'hui sont présents dans notre vie au quotidien. Et que ça, on ne peut rien. Mais il existe quand même des mesures de prévention et de précaution. Généralement, qu'est-ce qu'on préconise? Il ne faudrait pas passer plusieurs heures d'affilée devant un écran.
après 2 ou 3 heures, vous pouvez vous octroyer un petit temps, quelque chose 5 à 10 minutes, pour prendre un petit café et puis de manger. Bon, parfois c'est compliqué. Comme on est peut-être dans une banque, on n'a peut-être pas le temps. Donc on passe les 4 heures, les 5 heures, les 6 heures devant l'écran. Dans ce cas, il faudrait une protection des yeux. Donc une prescription donc devient correcteur. L'œil est un organe sensible et fragile. Il mérite une attention particulière car la vue, c'est la vie. Évitez également l'automédication en cas de maladie ou de malaise au niveau des yeux.